j'espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Oui, ça va même très très bien. Alors aujourd'hui, les loulous, on est qu'à jour très spécial. On est le 1er décembre. Et pourquoi il est spécial ce jour? Parce qu'en fait, on va commencer les calendriers de l'Avent. Et oui, c'est le premier jour du calendrier de l'Avent. Et ça sert à quoi le calendrier de l'Avent, pour ceux qui connaissent pas? En fait, ça sert à attendre Noël. Et oui, ça sert à attendre Noël. Donc il y a combien de cases? Bah, il y en a 24. Et donc ça veut dire qu'il reste combien de jours jusqu'à Noël? Bah 24. Voilà, donc c'est plus sympa d'ouvrir une case du calendrier de l'Avent plutôt que de cocher le calendrier, non? Oui. Bah oui. Ouais. Alors je vois que vous en avez beaucoup devant vous. Alors vous pouvez montrer un peu tout votre butin? Bah on en a 3 pour les animaux. 3 pour les animaux. Cette année on a trouvé pour les animaux en fait. Et on en a 2 parce qu'on a 2 chats. Et on en a 1 pour le chien. Oui, et en fait par contre elle... C'est toute la gourmandise, tous les chiffres, mais le 24, et ben je pense que c'est une surprise. Et oui, le 24, chaque animal aura sa surprise. Alors on a trouvé pour les chats et pour le chien, mais pour le poisson. Et ben ça n'existe pas pour le moment. Et non, ça n'existe pas encore pour le moment. Bon, on les met de côté? Oui. Parce que je vois que vous en avez 2 autres qui sont vraiment très gros sur la table. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, on a également nos calendriers. Waouh! Alors, pour Océane, c'est quoi? Tu peux nous expliquer? C'est un calendrier d'Atmos, mais vous verrez, avec d'Atmos brillant, Denis brillant. Et en fait, c'est pour Noël, mais vous verrez, quand je le commencerai, il y aura des trucs en 3D qu'on trouvera. En fait, il y a des décors, il y a des accessoires d'Atchimols, il y a plein de trucs. Et des Atchimols surtout exclusifs dans ce calendrier de Noël, pour Noël. Et bah, des versions transparentes, en fait, vont être trop beaux. Tu peux nous montrer un peu l'ouvrir comment il est? Bah non, remarque, on montrera après, il y a Corentin qui veut absolument montrer le sien. Donc vas-y. Moi, le mien, c'est le spécial agent secret. Et moi, j'ai plutôt un truc futuriste avec des voitures et tout, avec des missiles et tout. Mais ça. C'est chez qui? C'est de chez Lego? Playmobil. Ah oui, Playmobil. L'année dernière, t'as déjà fait Playmobil, je crois. Oui, et aussi, là, j'ai toujours le petit décor. Ah oui, un petit décor pour mettre tous tes petits personnages, accessoires et tout que tu vas collectionner pendant ces 24 jours. Oui. Alors, on les ouvre ou pas ces calendriers de l'Avent? Oui. Donc, regardez ce que je vous avais dit. En fait, regardez ici. Ce que vous savez, c'est qu'on peut soulever des petits trucs comme ça là en 3D. Ah bah vas-y, monte ton décor alors. Ah, c'est super, t'as un super décor, dis donc. Oh, par contre, il faut bien qu'il soit. Maman. Oui. Et comme le voir, je sais pas par où ça se trouve. Oui, mon chéri. Voilà. Ah, c'est sympa. Par contre, c'est compliqué. Hein. Voilà. Merci, maman. Alors, tu t'en sors, Océane, avec tes sapins? Oui. Pas comme des sapins, parce qu'il y a des bonhommes de neige. Waouh, ça est grand de la collection. Oh. Il y en a plein. Voilà, regardez. Oh, il est trop beau. C'est trop beau. Fais voir. Recule un peu. Oh. Recule-le. Alors? Waouh, c'est magnifique! Un super décor pour Noël! Tes Atchimols se voient bien là? Oui, attendez, je veux juste te voir parce que moi j'ai pas pu voir. C'est joli hein? Mm-hmm. Non, franchement, il est trop beau! Alors, comment toi tu t'en sors? Alors, lui, c'est un peu plus compliqué à monter hein? Non, pas cette année. Pas cette année? Ça va? T'en sors? Mais juste ça, c'est bon. Après, il y en a un. Et voilà mon décor! Waouh, ça y est, il est trop chouette! Ouais! Ah, c'est carrément différent de l'année dernière! Ouais. C'était quoi l'année dernière? C'était une banque avec un voleur! Ah oui, c'est vrai, c'était la banque avec le voleur et je crois qu'il y avait un coffre-fort et cette année, c'est carrément bien différent quoi! Bah ouais, parce que c'est très futuriste avec des missiles et tout ça! Ok! Bon, on les met de côté les décors? Oui! On passe au calendrier de l'Avent? Oui! Alors, donc j'ai déjà trouvé le 1. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, c'est un petit Atchimols bien. C'est un petit, je sais pas comment ça s'appelle. Un petit nounours? Un petit panda? Je pense un petit nounours avec un petit cadeau bleu.
Waouh, c'est trop chou. Mais il est vachement beau. Il est en glitter. Oh, il est trop beau et tout pailleté. Il est magnifique. Avec sa petite queue derrière. Et les petites ailes. Il a des petites ailes grises. Il est trop beau, argenté. Waouh, trop beau. Et regardez, il a même un petit cadeau avec. Tout petit le cadeau. De toute manière, on vous les montrera plus près après. Et toi, Loulou, qu'est-ce que tu as eu? Moi, je veux un des ailes ici. Ouais. Un personnage. Ouais, cool. Ah, mais ils sont déjà montés. Ouais, c'est pas comme Lego. C'est mieux. Alors, un petit personnage. Je vous montre un peu ton personnage. Ah bah, il n'y a que ça. Bah, c'est cool déjà, non? Bah, oui. Ouais, il est chouette. Fais voir derrière. Je crois qu'il est responsable des missiles. Ah, peut-être. De toute manière, ça va te faire tes petites histoires. Ça va compléter ta collection. Trop Parce bien. Parce qu'il a un petit viseur ici. Donc, ah, peut-être. Et apparemment, il y a plein de missiles dedans. On continue avec les animaux? Oui. Oui. Continuons avec Corentin. Corentin, allez, bah vas-y Corentin, ouvre ton calendrier. Enfin, pas le tien, hein. Celui de qui? Ah, c'est celui de qui celui-là? C'est celui de Clochette. Peut-être on l'appelle Clochette. 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 Je sais pas où elle est. On a trouvé Clochette, elle est là. Donc on y va. Tu ouvres le 1, tu as trouvé le 1 ou pas? Oui. A voir si Clochette, elle va aimer. Regarde, oh, des petites croquettes. Oh, regarde, Clochette. C'est pour toi, ça. Regarde. Ouvre-lui. Non, Clo-Clo. Clo-Clo. Tiens. Tu lui as ouvert? Oui. Alors, est-ce qu'elle va aimer? Ça a l'air bon, ça. Non? Oui, non? Bon, non. À mettre dans la gamelle. À mettre dans la gamelle. Bon bah tant pis. Clochette n'est pas trop gourmande donc on verra. Je pense qu'elle le mangera. Alors je sais pas ce que c'est. Tu me montres un peu ce que c'est. Ça sent bon ou ça pue? Ça sent mauvais. Oh, bon. Fais voir. C'est plutôt fromage et plutôt à quoi? Plutôt fromage. Alors pour Dina, je pense que ça va être la même chose. Bah, pour Dina Non, je continue avec Rookie. Avec Rookie? Ok, bah on aura Rookie. Puis de toute manière, Dina doit dormir dans un coin donc je sais pas où aller. Donc on l'ouvrira après, je pense, quand elle sera dans le coin, parce que ça va être la même chose que pour Clochette. Hein. Donc on y va, Par contre, lui, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, bah, demande à ton frère de t'aider si tu veux. C'est la tête. Ah, moi là, je suis en expédition, je range des croquettes. Tu peux me faire, s'il te plaît? Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est gros. Je vous montre quand même de plus près le calendrier de l'avant pour les du chien. Voilà, le chat, c'est la même chose. Donc la numéro 1, elle est ici. Voilà. Donc, voilà. Tiens, ma chérie. On va appeler Rookie. Rookie. C'est des petits nanos sans biscuits. Alors lui, il vient tout de suite. Hein. Alors lui, il vient tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est, ma chérie? Tu vois, regardez les petits nanos sans biscuits. Oh, c'est trop chouette. Tu lui donnes un Rookie? Elle va te donner un Rookie. Je pense que lui va être un peu plus coopératif que Clochette. De toute façon, lui, il ne peut pas descendre. Ouf. Ah bah, il a déjà vu, ça y est. Ça y est, il a vu. Il sent. Tu vas ouvrir? Dame, je te l'ouvre. Tiens. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est des petits toss en biscuits, en fait. Donc Rookie, là j'ai vu ça, il y a Rookie, la fourmi. Alors est-ce qu'il va aimer? Ah bah oui. Ah bah là il a... C'est un blue team, c'est pas comme les chats, lui, hein, lui, okay. Il fait pas de demi-mesure. Hein. C'est bon Rookie? Tu te régales? Ah bah ça, on peut dire qu'il se régale. Hein. Il l'a déjà fini. T'en veux un autre, Rookie? T'en veux un autre? Il est où? Oh, il a fait oui avec sa tête. Regardez, gros gourmand. Ah ouais, le troisième, et puis après, bah bien sûr, hein, il faut pas trop donner de gourmandise au chien. Lui, il en a pas eu ce matin, donc bah, non, c'est bon, c'est bon, on peut lui donner. Et après, il a juste sa gamelle de croquettes, c'est tout. Oui. C'est tout. Après, on lui donne pas du bon, on lui donne pas des œufs. Enfin, lui, on donne de temps en temps des œufs, mais on réduit en principe la gamelle. Ah ben voilà. Allez, voilà. Non, c'est bien fait, ça, c'est fait. C'est fait. Les loulous, ça y est, vous avez ouvert votre première case du calendrier de l'Avent. Ça y est, le compte à rebours est parti pour Noël. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez eu? Oui. Je pense qu'il y en a un derrière qui est encore plus content et qui est pressé d'ouvrir la case numéro 2. Hein, Rookie? Rookie? Tu restes là jusqu'à demain, c'est ça? Hein? Tu ouvres la case demain? Tu bouges plus?
D'accord. D'accord, je crois. Donc les loulous, dites-nous si ça vous a plu dans les commentaires. Et si quelle est votre surprise préférée, ça peut être aussi celle du chien, du chat. Puis si vous avez aussi des calendriers de l'Avent, vous aussi, pour vos animaux. Si vous avez des chiens, des chats, vous pouvez tout nous dire dans les commentaires. Si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Bleu comme le Hatchimals de Océane. Nous, on vous fait des gros bisous. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on va se voir dans la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Bonne année, les amis. Ciao. On vous donne un petit cadeau.